Non. Arrête. Manuel Godoy, l'homme fort du gouvernement espagnol de l'époque, déclare la guerre à la France avant de récupérer la partie de la Catalogne devenue française lors du traité des Pyrénées, à savoir le Roussillon, le Conflent et la Cerdagne. À la suite de la retraite des fantassins français vers Port-Vendres, les Bagnoulins, avec à leur tête André Rocariès, décident de se lancer à l'assaut des deux colonnes espagnoles du général Ricardos, s'apprêtant à franchir le col de Banyuls afin de retarder l'envahisseur et d'éviter le pillage du village. Cette action a permis aux troupes françaises du général de Gaumier de se reformer et de repousser l'ennemi. Un tableau montrant la bataille est exposé dans le hall de la mairie de Banyuls-sur-Mer. Après plusieurs batailles, l'Espagne reconnaît la République française et signe la paix le 22 juillet 1795. Par décret de la Convention de Saint-Pierre-Réal en deux de la République, 24 mai 1794, il sera élevé à Banyuls-sur-Mer un obélisque de granit qui est devant vous, sur lequel sont gravés au dos l'armée française des Pyrénées-Orientales ne cesse de mériter de la patrie, les citoyens de Banyuls-sur-Mer ont bien mérité de la patrie. Sur la face avant, aux habitants de Banyuls-sur-Mer qui ont combattu pour la patrie, ainsi que médaillon représentant le profil de Bagnoulin coiffé d'une baratine. C'est en l'honneur de nos illustres ancêtres que nous allons procéder à un dépôt de gerbes. Pour l'ensemble, garde à vous. Pour déposer la gerbe, lieutenant Michel Diaz, chef du centre des pompiers de Bagnoul-sur-Mer, Mathis Diaz, pompier, Cassis Alish, pompier, Olivier Lacaze, adjoint au maire. Présentez la gerbe. Thank you.
tous au bas. Monsieur Marcel Gillet, à 20 ans, sous l'uniforme, vous êtes parti défendre la patrie, ses valeurs et ses intérêts. Aujourd'hui, officiellement, vous devenez membre de notre grande famille d'anciens combattants. Aussi, devant la population réunie, au nom de tous nos frères d'armes ici présents, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix du combattant d'Afrique du Nord avec toutes nos félicitations. Vraiment. Mesdames, Messieurs les représentants des anciens combattants, Madame Marion Escoubeyrou, capitaine de corvette, que nous honorons aujourd'hui le Bagnoulenc qui porte haut et fort les couleurs de Bagnouls dans la Marine nationale. Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs mes amis de la chorale, bienvenue. Mesdames, Messieurs, Monsieur le représentant de la gendarmerie, Mesdames, Messieurs les représentants de la RIS, enfin, Mesdames, Messieurs les représentants des pompiers, pompiers volontaires, élèves sapeurs-pompiers, et je salue particulièrement les deux jeunes pompiers qui ont réussi leur stage et qui ont remis la gerbe à la colonne de Bagnoux-sur-Mer. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis bagnolins, amis touristes, d'abord un grand merci pour votre participation nombreuse. Cela fait chaud au cœur et démontre votre attachement à nos valeurs, à nos traditions, à notre pays. Nous sommes réunis ici pour fêter la France. C'est un moment unique, unique de l'année, d'unité, de cohésion nationale. Le 14 juillet, le peuple de France se libère de la monarchie. Prendre la Bastille, symbole de l'oppression, est un acte fort. Cet acte qui marque la volonté de mettre fin aux privilèges, aux inégalités. Il ouvre un peuple à vous, l'espoir d'une vie meilleure. C'est cette France que nous fêtons aujourd'hui, la République, avec ses valeurs, portée par une révolution que tout un pays a fait sienne, qui bouleversa l'équilibre des pays de la vieille Europe. Cette République née ce jour-là s'est fondée sur des valeurs proclamées haut et fort, inscrites sur tous les frontons de nos mairies et monuments. Égalité, liberté, fraternité. Ce sont les trois piliers de notre République, de ce mode de vie, que le monde nous envie. L'égalité des femmes et des hommes devant la loi, l'égalité des chances, l'égalité dans tous nos actes, quelles que soient nos orientations religieuses, nos convictions politiques et bien sûr nos origines ou notre couleur de peau. La liberté de ses propres choix, de se déplacer, de penser, d'entreprendre, d'étudier, la liberté de la presse, le devoir, je dis bien le devoir, de choisir à travers le suffrage universel, cet acte qui unit la liberté de choix et l'égalité du vote, ce pouvoir qu'a le peuple de s'exprimer sur son devenir. L'équilibre est mince entre la liberté qui ouvre beaucoup et l'égalité qui peut être victime d'excès et d'abus. La fraternité qui nous unit doit être ce lien qui permet à chacun de pouvoir avoir accès à ses valeurs. Car, mes amis, point de liberté sans fraternité, point d'égalité sans fraternité. C'est cette fraternité qui nous rassemble, qui nous unit, qui nous permet de nous respecter, d'être plus solidaires, de faire certainement l'un des plus beaux gestes, celui de tendre la main. D'ailleurs, je pense qu'on aurait pu ajouter également solidarité à la suite de liberté, égalité, fraternité. N'oublions pas que si l'égalité et la liberté sont des droits, la fraternité est-elle un devoir, qui n'a de sens que si elle unit les personnes dans ce concept du vivre ensemble. Là aussi, une question de conscience collective. Si nous sommes réunis devant ce monument, c'est pour honorer les femmes et les hommes qui sont morts pour défendre nos valeurs, ses valeurs, notre République, qui se sont sacrifiés, qui ont lutté,
de tous les temps pour que restent gravées et que soient respectées à jamais ces valeurs qui nous sont communes, ces valeurs qui font notre pays. C'est pour honorer les révolutionnaires, les militaires, les civils, les citoyens qui donnent corps au pacte républicain. Ce pacte républicain bâti sur la Déclaration des droits de l'homme, du citoyen, cité en exemple. Ce pacte républicain nous est aussi précieux que l'air que nous respirons. Et comme quand l'air se fait plus rare, nous sommes en danger, quand il peut être remis en cause, nous sommes en danger de démocratie. C'est maintenant notre devoir de vigilance qui ne se perde pas seulement aucune infime de ces valeurs. En ces temps où résurgissent l'intolérance, l'intégrisme, avec ses dérives religieuses, dans leur tentation d'asservir des femmes et des hommes. Ce sont les défis qui deviennent des remises en cause, et ils sont multiples, dans un monde déséquilibré par les crises économiques, par les guerres. L'équilibre de notre planète est indispensable. Le règne est de la loi du plus fort, de toujours plus de profit, les laisser pour compte, le creusement des disparités et surtout la perte de l'espoir d'une vie meilleure sont autant de dangers pour nos sociétés, déjà fragilisées de l'intérieur. L'inégalité des pays, les guerres qui nous semblent bien éloignées, sont autant d'alertes. Les alertes incessantes de nos scientifiques sur les dangers du réchauffement climatique doivent être prises très au sérieux. Il en va du devenir de la planète, certainement de l'espèce humaine. Il est urgent d'agir. Les citoyens que nous sommes, doivent préparer le monde de demain, celui que nous laisserons aux générations suivantes. Nos démissions, nos résignations devant la dure réalité de l'urgence climatique, d'un désastre annoncé, seraient impardonnables. Nous n'avons aucune excuse. Nous ne pouvons plus dire « nous ne savions pas ». Et si nous savons, nous savons ici que notre histoire est pleine de tragédies que nous aurions pu collectivement éviter. Et pourtant, nous n'avons pas voulu les voir. Nous n'avons pas voulu y croire. Je ne veux plus que cette histoire se répète. Nos enfants, eux, savent. Ils savent, croyez-moi. Et ne manqueront pas de nous rappeler nos faiblesses par des mots terribles. Vous saviez et vous n'avez rien fait. Ne pas baisser les bras, nous mobiliser, nous retrouver sur l'essentiel comme ont su le faire nos anciens quand le pays était en danger, car le danger est là et il est grand. Aussi grand qu'il fut quand il y a eu la remise en cause de nos libertés et de nos valeurs. Ces mêmes valeurs qui nous sont si chères, que nous avons reçues en héritage, que nous voulons transmettre à nos enfants, elles sont devenues des droits, elles sont devenues des devoirs. La préservation de la biologie, de la biodiversité, de l'environnement, de cette planète que nous avons consommée sans discernement est maintenant notre noble combat. Celui de la transmission, notre devoir. Ces droits et devoirs sont l'héritage, c'est l'héritage que nous devons leur transmettre. Bossuet nous a écrit « Les hommes sont d'étranges créatures à qui nous infligeons des effets et qui continuent à adorer les causes. Ne soyons pas de cela. Ne soyons pas de cela. La mesure des enjeux, des risques, nous indique le temps de la mobilisation. Je ne désespère pas. Je suis un optimiste convaincu. Les opportunités de construire un monde nouveau, l'espoir d'une humanité créative, s'offre à nous comme un défi à relever. Entre deux cultures qui s'opposent, que nous opposons, l'économie et l'écologie, sachons, mes amis, trouver notre chemin. Vive Banyuls, vive la République, vive la France. Bien entendu. Procéder au dépôt de gerbe pour l'ensemble Gavarou. Pour déposer la gerbe, capitaine Corvette Marion Estouverou, Nicole Clara, adjointe au maire,
Clémentine R, adjointe au maire. Et Olivier Capey, adjoint au maire. Présentez la gerbe. Au moins.